Previously on Team Beat Adventure. Derrière là, c'est Grenoble. Dis à demain matin. Et welcome back sur la chaîne de Team Beat Adventure. Aujourd'hui, on part faire une randonnée dans le Beaufortin. Au lac tournant avec Claire et Nata. 6 heures de marche, 8 mètres de dénivelé sur 2 jours. On va camper au sommet, enfin à côté d'un lac. On peut le voir, il y a pas mal de nuages. On espère que ça va se dégager dans la journée. Théoriquement, ce soir, il pleut pas ni demain. Demain, grand soleil. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire des timelapses terribles. Et voilà, c'est parti. Faire la rando en pelleteuse. Ah ouais, c'est clair. C'est quand même beaucoup plus facile. Ouais, carrément. Ah. Mince, va falloir marcher. On l'a fait à pied. Allez. Là, on passe dans un sous-bois avec pas mal de sapins ou de pins d'ailleurs. On se demandait ce que vous connaissez la différence pour reconnaître les deux. Envoyez-nous la réponse en commentaire. Alors devant vous, vous avez un superbe spécimen de camion traite de vache, une machine ultra perfectionnée qui permet d'extraire le lait de ces fabuleux bovins. Ici apparemment, ils vendent du fromage de chèvre et de vache. Par contre, il n'y a pas de vendeur. Nous, on aurait pris un petit fromage, pourquoi pas. Magnifique. Non, je pense que c'est l'autre derrière ça. Bon, je m'attendais à un énorme lac, mais en fait c'est vraiment un lac minuscule. Bon, après l'endroit est super joli. La petite flaque qui est là-bas, juste là-bas, dans le coin. Par contre, il y a l'air d'avoir vraiment des beaux lacs en haut. On va aller jeter un coup d'œil pour voir ce que ça donne. Il y a des énormes trous qui se sont formés ici, on peut le voir. Et là, t'approches pas trop près hein, quand même. Un truc où on voit pas le fond, un trou on sait pas où ça va. C'est quand même très angoissant, on est bien d'accord. Ah ouais, c'est marrant. Par contre, celui-là, il a l'air beaucoup plus angoissant quand même. Ah mais non, mais là, c'est vraiment profond, putain. Amandine, je sais que c'est toi. Avec votre connerie d'EDF, là, vous faites des forages et vous oubliez de reboucher les trous. Je le sais. On va suivre la rivière et on va passer par là. On va monter, tac. Et ici, il y a un autre lac. C'est un peu abusé, là, on se tape tout le dénivelé d'un coup. J'ai pas su en se rendre compte combien c'est raide, mais... C'est sauvage, c'est raide, on aime ça. On n'est plus sur le GR, mais il y a de nombreux cairns qui nous indiquent la route, et ça c'est cool. Ça y est, on vient d'arriver au lac des Sestrons, je crois qu'il s'appelle comme ça, avec une vue derrière incroyable. On encourage Claire. Plein de névé encore, la neige n'a pas fini de fondre. Ça va cailler un peu cette nuit, mais ça devrait le faire. Un peu humide, mais bon. Apparemment, il y a un autre lac juste au-dessus, on va aller jeter un coup d'œil. Le lac Cornu. Et on est tout seul! Bah, y a des règles de bon sens, genre vous mettez pas sous un pierrier. Vous en pensez quoi vous? On veut mettre la tente juste dans le trou. Bon, déjà ce qui est sûr c'est qu'on va pas la mettre dans les pierriers là-bas. Ici on peut pas parce que le terrain il est pas droit, il y a des cailloux partout mais bon. Après une petite baignade dans de l'eau à maximum 8-7 degrés je dirais, parce que mes doigts de pied commencent à devenir violets, et ben on se sent bien quand même, ça réchauffe, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Pour commencer, on a un petit apéritif avec du saucisson aux noisettes, de la meule de Savoie et un petit vin rouge de Chinon. Je conseille particulièrement la cuvée de la Roche-Bobreau du domaine du Colombier, c'est très très bon. Santé. Bon là il commence à faire très froid, heureusement qu'il y a du vin pour réchauffer. Ah ça oui. Pourquoi tu mets de l'alu autour du réchaud? Alors je protège du vent afin que la petite soupe chauffe plus vite. Voilà, c'est logique, ça isole. En montagne, tous les goûts sont amplifiés quoi. Tu peux manger un bout de pain sec, tu sais, tu vas sentir le sucre. Bon, on profite de l'absence de Claire là vite fait, mais en fait l'alu c'est vraiment pas une bonne idée.
Ça a fait fondre le truc. Allez. Évitez ça, ne faites jamais ça. Ah non, s'il te plaît, non, en fait, tu me supprimes. C'est des... Non mais normalement c'était une super idée. Donc en fait vous pouvez le faire, c'est une bonne idée, mais sans le plastique. S'il n'y a pas de plastique, ça marche. T'as continué à filmer là? Ah non, j'ai arrêté là. C'est vrai. Là c'est la fin, le soleil se couche. Les éclairages sont orange. C'est très calme. Bon bah la journée se termine. Le soleil se couche, on boit la tisane, on va se coucher, on vous dit à demain. Ciao. Des bisous. Bonne nuit. Cette nuit il va faire très très humide, donc je pense que je vais dormir comme ça. Il fait tellement humide que je suis trempé quand je me touche. Il a gelé, donc j'ai dû sortir la couverture de survie. J'avais froid aux pieds, j'attends que le soleil se lève, je me lèverai avec lui. Ça y est, le soleil est arrivé. Donc il a gelé cette nuit, et mon duvet n'est pas adapté à 0 degré. Vous en avez marre de passer des nuits normales? Vous souhaitez pisser 4 fois par nuit, mourir de froid par 0 degré? Alors prenez une nuit tranquille et ne dormez plus jamais. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Génial, la meilleure nuit de ma vie. J'ai eu à peu près froid sur tout le corps. Alors petit porridge matinal avec des dés de bananes coupés dedans. Bon, on va falloir traverser. Aïe 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 aïe. Nous voilà repartis, on va monter au sommet de la crête et faire une boucle en redescendant par les pistes de ski. Et voici le lac Cornu avec des névés autour. Sur le ventre, il se tapait fort. Les copains d'abord. Et nous voilà arrivés au sommet. Voici le grand mont ici. Et on vient d'arriver sur le mont Rougnou. Avec une superbe vue sur le mont Blanc. Putain, il voit sa tête. La rando est terminée, on redescend à la voiture. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu voir un peu le massif du Beaufortin avec quelques lacs. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner. A bientôt sur Team Debit Adventure. Des impressions sur cette rando? À la fin sur le Mont Blanc, trop de la balle. Ah, parce qu'on a randonné? Ah, c'était tellement facile, pardon, j'ai pas capté. Essaye pas de te déculpabiliser. Et en même temps, aucun de vous deux m'a dit « Eh, fais gaffe, en mettant de l'alu, ça va faire fondre le plastique. » Oui, oui. Non, si c'était si évident que ça allait fondre, un de vous deux l'aurait dit. Oui, oui. Non, mais c'était pas si évident que ça. Non, mais ça... Arrête, tu m'énerves. Non, mais vas-y, j'en ai marre. Lequel de ces noms ne peut pas être donné à un sommet de montagne? A. Un clou. B. Un pic. C. Une dent. Répondez en commentaire.